chers amis qui êtes venus de Lyon, de Givors, de Chavanay, de Condrieu, d'Ampuy, de Limony et même du sud, du Teil, de Privas, de Cruas et autres communes de l'Ardèche, et même avec une représentante de Paris, vous l'entendrez tout à l'heure. Bonjour à vous qui avez traversé le Rhône, passant de la rive gauche à la rive droite. Bienvenue, mesdames et messieurs, les élus, conseillers et conseillères municipaux, départementaux, régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes et parlementaires. Merci à vous d'être parmi nous, chers camarades, syndicalistes, cheminots ou non, de plusieurs organisations, dont certains sont membres du Conseil économique et social de notre région. Vous montrez ainsi que les attentes des usagers sont celles aussi des cheminots et de leur confédération. L'Association des usagers des TER de la Vallée du Rhône a le grand plaisir de vous accueillir, vous aussi, habitants du territoire, associations, artistes, musiciens et théâtreux. Il y a deux jours, jeudi, plus au nord, c'était la fête du Beaujolais nouveau. Eh bien, ce matin, en Vallée du Rhône, nous serons toutes et toutes actrices d'un autre moment festif et revendicatif, les Pressailles du Train. Toutes et tous réunis pour revendiquer haut et fort de l'État et de la région Auvergne-Rhône-Alpes la réouverture de la rive droite du Rhône au trafic des trains voyageurs. Nous vous accueillons toutes et tous dans le respect de la diversité de vos engagements et de vos sensibilités. Nous vous demandons la bienveillance, le respect, car nous voulons des trains voyageurs, comme le dit la chanson. Une chanson que nous vous invitons à reprendre et qui scandera ce rassemblement. Alors ceux qui n'ont pas des paroles, est-ce qu'il y a encore des papiers à faire circuler pour donner les paroles à tout le monde? On y va, musique. À la musique, Pierre-Yves Merlin. Merci pour l'organisation Flashdance. Et puis Marilyn Oubrier, des Glottes Rebelles de Saint-Julien Monamolette. Sous la rive droite, en toute hâte, on veut des gardes, des gardes. Sur la rive droite, dites-le. Le 21 mars 2021, devant la gare de Condrieu, un certain nombre d'entre vous, beaucoup d'élus présents ce soir, aujourd'hui, étaient là. Et nous nous étions quittés, monsieur le maire, cher Serge Auraud, en disant « Nous venons de fêter le printemps du train, nous nous retrouverons bientôt pour les Pressailles ». Eh bien, les Pressailles, c'est aujourd'hui, et la parole est à vous.
Voilà, ben bonjour à tous. Alors, c'est un mot d'accueil, hein, concrètement. Donc, un mot d'accueil, ça peut être très simple. On peut dire bonjour, bienvenue, merci. J'ai quand même développé un peu plus. Bonjour, en tout cas, dans vos diversités, toutes les fonctions que vous avez, qu'on soit élu, membre associatif, syndicaliste, citoyen. L'important, en effet, c'est la richesse, la diversité qu'il y a collectivement pour être présent ici. On a fait une petite promenade, donc bienvenue dans le Pilat Rodanien, bienvenue à Saint-Pierre-de-Beuf. Mais aujourd'hui, c'est nos 14 communes, en effet, du Pilat Rodanien qui vous accueillent. Alors, on a fait un petit voyage sympathique. On est parti de la base de loisirs communautaires. Et quelque part, de la base, ben, on avait le canal du Rhône. Après, on a traversé, par une belle passerelle métallique, le Vieux-Rhône. On a traversé les ruelles du village. On a passé par-dessus la voie ferrée. Et quelque part, sur votre gauche, on a l'ancienne route impériale, qui est la route 86 aujourd'hui. Donc, quelque part, sans bien s'en rendre compte, dans notre belle vallée du Rhône, qui traverse, sur laquelle beaucoup de villages sont dispersés, ben, on est passé par le fleuve, on est passé par le rail, on est passé par la route. Et c'est une complémentarité de tous ces modes de transport qu'il y a à faire. Donc par rapport à ça, c'est tout ce territoire qui vous accueille, d'où vous veniez, dans toute votre diversité. Et quelque part également, on veut dire merci, parce que la présence qui est ici, la manifestation qui est ici, on la doit à l'association, qui est dynamique, hein, qui est active, qui nous pousse. C'est vrai que les élus, on est des représentants, mais certains, on a besoin aussi d'être encouragés, d'être motivés. Et ce partenariat, en tout cas, qu'on a mis en place, a été extrêmement utile. Merci aussi, un petit remerciement pour nos services techniques qui ont travaillé, pour les élus qui se sont investis également. Et puis pour ce mot d'accueil, je ne suis pas plus long, je prendrai la parole après pour la suite. Merci à vous. Merci Serge. Merci beaucoup, merci Serge Rault pour votre accueil hein, ici, et puis je ferai des remerciements un peu plus longs à la fin. L'association des usagers TER Vallée du Rhône, au TERVR, hein, on va faire plus court, défend depuis plus de 20 ans les usagers des TER sur la rive gauche du Rhône, et c'est un travail permanent avec la région SNCF, avec les élus, avec les syndicats, avec les usagers. Et depuis plusieurs années, en rive droite, au TERVR, demande plus de trains. Alors plus de trains en rive gauche, évidemment, et plus de trains ici, pour les voyageurs, c'est une évidence aussi. En ce qui concerne la rive droite, nous demandons donc avec les habitants et les élus le rétablissement de cette circulation. La ligne Lyon-Nîmes, qui a été réservée aux fret depuis 1973, donc 50 ans sans train de voyageurs, elle est existante, elle est là, vous la voyez. Elle a été rénovée récemment, 2017. La faisabilité de la réouverture ne pose aucune question. La SNCF s'est déclarée favorable et il y a des études qui confirment cela. Et les trains de voyageurs circulent déjà un peu plus au sud, en Occitanie. Vous pouvez consulter sur les panneaux ici l'ensemble du dossier qui reste diffusable. Hein, on l'envoie sans problème à toutes les personnes qui le demandent. Et dans ce dossier, on demande en particulier quel est l'objectif, c'est le besoin de réduire la circulation des voitures. Il y a à peu près 20 000 voitures qui circulent ici à Condrieu sur la fameuse ancienne nationale route impériale. Besoin de réduire la pollution dans la vallée, qui a quand même des indices assez forts. Amélioration de la condition de vie des habitants. On estime et on est quasiment sûr qu'avoir des trains de voyageurs, c'est mieux qu'avoir des voitures. Et puis, il y a une cohérence à obtenir de Lyon à Nîmes. Ici, effectivement, au TERVR se bat pour la partie jusqu'à Perreault, Lyon-Perreault. Mais il faut être clair, la demande, elle va de Lyon à Nîmes. Donc, Cutsa, qui est un peu plus au sud, ici, vous parlera tout à l'heure de la partie ardéchoise. La partie occitane a rouvert. Le Teil, on ne sait pas pourquoi ça traîne, mais ils nous expliqueront un peu pourquoi. Il n'y a personne qui peut monter au Teil. Ils vous en diront deux mots. On intervient en tant qu'association dans les comités avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la SNCF, donc dans les COTEC, comité technique, comité de mobilisation, et dans toutes les consultations. Donc le grand débat NFL en 2019, qui a été un élément qui a permis aussi de mettre en avant le dossier. Nos habitudes, c'est de mobiliser aussi les habitants, donc en concertation avec les élus. Les élus de trois départements. Hein. Nous, on est sur trois départements, donc le Rhône, la Loire ici et l'Ardèche. Hein.
Donc, cette manifestation d'aujourd'hui, ben, on vous l'a déjà dit, ça nous demande de porter et de demander à l'État, à la région, de enfin s'engager dans cette voie. Donc, on parlera du CPER certainement plus en avant. Donc, le contrat de plan État-région qui est en cours de négociation, finalisation. Alors, on a des espoirs que les montants annoncés initialement, qui étaient ridicules, soient largement remontés à la hausse par l'État puis par la région pour enfin permettre d'avoir la possibilité de rouvrir des petites lignes, dont la rive droite ici, le long du Rhône. Ce CPER doit confirmer les ambitions ferroviaires annoncées par l'État et par ORA. Et c'est bien beau de dire on va mettre 100 milliards, on va mettre 5,7 milliards. Ben maintenant, il faut concrètement s'engager sur des dossiers comme la rive droite ici du Rhône. C'est la demande des populations, c'est la demande des élus, c'est la demande des associations, c'est la demande des syndicats qui, depuis de nombreuses années, demandent la réouverture des lignes en Auvergne, en Rhône-Alpes et ici sur la rive droite du Rhône. Je vous remercie. Alors, comme l'a dit Bruno Marchesini, l'Ardèche, la Loire et le Rhône sont concernés. Mais nous n'oublions pas l'Isère. Il l'a dit, nous agissons pour améliorer les conditions de transport de l'autre côté. Mais on sait aussi que si le train revient ici, ce sera des trains moins bourrés que l'on prendra tous les jours ou plusieurs fois par semaine quand on prendra le train au péage de Roussillon, à Saint-Clair-du-Rhône, à Vienne. La réouverture aux voyageurs de la rive droite se fera si conjointement, ça vient d'être dit, l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont ensemble. Alors, Dino Cinieri, c'est à vous, monsieur le député, là, pour quelques jours encore, montez parmi nous. Dino Cinieri, vous avez le privilège d'être entre le territoire nigérien et l'Assemblée nationale parisienne, pour quelques jours encore. Vous êtes tout à la fois au contact de Laurent Wauquiez et des ministres que vous auditionnez dans l'hémicycle. Alors, la question qu'on a à vous poser, comment le député de cette circonscription où nous sommes, que vous êtes, voit-il le retour des trains de voyageurs sur la rive droite? Qu'est-il prêt à continuer à faire pour que cela se réalise? En 1 minute 30. Oui. Bien. Mesdames, messieurs, tout d'abord, pour répondre d'abord à la question, si je suis ici présent, ce n'est pas pour faire de la figuration ni de la présence invisible. Si je suis là, c'est pour entendre, écouter et accompagner. Nous avons déjà travaillé avec Serge Roth et puis le maire de Chavanay et d'autres maires de la circonscription. Effectivement, je suis encore député jusqu'au 30 novembre. Et à partir du 1er décembre, vous aurez ma suppléante qui me remplacera et qui est parfaitement au courant donc du territoire et notamment des problèmes de transport, cher président. Donc, non, mais il faut toujours deux présidents, on a toujours été président de quelque chose dans la vie. Alors donc, inutile de vous dire que ce dossier, nous le portons à cœur, parce qu'effectivement, il nous faut cette réouverture. Donc, pour répondre à votre question, oui, je suis, et même si le 1er décembre, je ne suis plus le député de la circonscription, je serai fait entendre ma voix au plus haut niveau, par l'intermédiaire de la nouvelle députée. Au niveau de la région, effectivement, nous avons eu des réunions, des rencontres. Mais ces rencontres, on nous dit, et on nous écrit, puisqu'un courrier vous a été parvenu, Bruno, par l'intermédiaire de Serge Roth, que, ben, effectivement, entre l'État et la région, l'État dit, ben oui, ben, c'est à la région de financer, la région dit, ben, c'est à l'État de le faire. Effectivement, vous avez parlé du contrat plan État-région qui doit signer le fin mars, en principe, début avril. On ne va pas attendre, et on n'a pas attendu, que nous puissions discuter donc des avancées sur cette ligne. Inutile de vous dire que nous allons d'ores et déjà, j'ai demandé à Serge et puis je demanderai certainement aussi à Bruno que nous ayons une lettre qui sera co-signée par l'ensemble des maires et des associations ici représentées et puis que nous puissions, les partenaires sociaux bien sûr, et que nous remettrons en main propre non seulement à Madame la Première Ministre et à une copie avec notre ministre des Transports, mais aussi une copie de ce courrier sera remis à Laurent Wauquiez et je le remettrai moi en main propre et je ferai en sorte que je serai un des témoins et un ambassadeur pour vous soutenir dans l'action qui est d'utilité
public d'intérêt général, vous l'avez rappelé, et pour lequel c'est un outil nécessaire à la fois pour désembouteiller les routes et aussi c'est un problème aussi d'écologie et d'environnement. Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir écouté. Serge Rault, vous présidez la communauté des communes du Pilat Rodanien. Redites l'attente de vos collègues et de vos habitants, de leur population. Collègue maire. Merci. Oui, ben, le Pilat Rodanien, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes 14 communes. Beaucoup des maires sont présents ici. C'est la réouverture des gares voyageurs, c'est un point qui ne fait pas débat chez nous. C'est une position unanime du conseil communautaire qu'on défend régulièrement et qu'on défend pour des raisons bien précises. Tout à l'heure, Bruno, tu as évoqué la pollution. Alors on a un titre sur Saint-Pierre-de-Beuf qu'on a appris l'année passée, c'est côté la commune la plus polluée du département de la Loire. Alors vous comprenez, quand on a ce type de reconnaissance, entre guillemets, oui, c'est spécial pour la Loire. Alors je pense qu'en face, on doit être égalité quelque part. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pollution, eh bien, elle vient de deux manières. Bon, il y a la géographie, bien sûr, qui peut faire, il y a la chimie, il y a les activités économiques qui font des gros efforts pour pouvoir limiter les pollutions, et puis il y a la route. Et quelque part, c'est vrai que c'est aussi un des bons arguments pour nous de dire à un moment donné, le train est important. Le train, alors, est important. Alors, notre nom, c'est Pilat Rodanien. Alors, Pilat, oui, ça incarne la montagne et autres. Mais Rodanie, c'est le fleuve. Et Rodanie, c'est Lyon. Et notre grand bassin de vie, pour nous, en effet, c'est Lyon. Et on se rend bien compte que pour se rendre à Lyon, que ce soit en temps de circulation, quand il faut passer chez nos amis d'Ampuy, c'est un peu compliqué de pouvoir y arriver. Si on doit prendre le train, enfin, si on doit stationner à Lyon, c'est pas non plus très évident. Il y a des efforts environnementaux qui sont faits, avec des aides à feu qui vont arriver. Bref, rentrer dans Lyon, stationner dans Lyon, ce sera de plus en plus compliqué. Prendre le train, aujourd'hui, on peut le prendre, en effet, à travers les trains qui sont sur l'autre rive du Rhône. Mais quand on connaît bien les gares de péage de Roussillon ou de Saint-Clair du Rhône, c'est assez compliqué également pour se garer sur les parkings qui sont déjà au maximum de leur capacité. Et ramener toujours plus de voitures sur des parkings déjà saturés, sur des agglomérations urbaines, on n'est pas sûr non plus que ce soit la bonne réponse. Donc dans un cadre d'aménagement global du territoire, tout à l'heure j'ai fait anecdotiquement le fait qu'on avait l'eau, le rail et la route, bah oui, c'est une réalité. C'est pas pour rien si tout ça existait à un moment donné. C'est pas pour rien si la RN7 est d'un côté et que la 86 de l'autre côté est également une des routes qui fait le pendant. On a besoin d'avoir en effet des voies parallèles qui ne seront pas au même niveau de circulation, qui ne seront pas au même niveau de fréquentation. Bien évidemment, ce ne sera pas les mêmes rythmes de circulation ou d'attente qu'on peut avoir ici. Mais en tout cas, au niveau qu'on demande, on est sûr que c'est positif en termes d'environnement. En termes économiques, c'est vrai aussi qu'on a un peu du mal à comprendre. Quand on voit tous les travaux qui ont pu être effectués sur la voie, quand on sait que le fret passe ici, que les trains voyageurs, quand ils sont coupés sur la rive gauche, ils passent par la rive droite. Quand on voit que la gare qui est derrière, il ne faut peut-être pas grand-chose non plus pour la retaper, on se dit que tout ça, c'est des choses qui font pour se dire, oui, il faut mettre de l'argent. Il faut mettre de l'argent pour réouvrir sur Chavanay, pour réouvrir sur Saint-Pierre, mais aussi sur les gares des communes du Rhône, de l'Ardèche, en tout cas d'avoir une continuité géographique qui se fera. Ce qui est sûr, c'est que si on ne bouge pas maintenant, il faudra le faire à un moment donné. Plus on attendra, plus ça coûtera cher, concrètement, en termes environnementaux et en termes financiers. Donc oui, le besoin, il est réel. En tout cas, en tant qu'élu, je peux vous dire qu'avec l'ensemble des élus concernés, qu'on soit plus au nord, plus au sud, il n'y a pas de Pilat Rodanien, il n'y a pas de Vienne contre l'agglomération, il n'y a pas de Porte d'Ardèche, et ainsi de suite pour le reste. On est unis par rapport à ce niveau-là. On continuera à débattre fortement avec l'État, avec la région, en partenariat avec l'association, de manière à obtenir un objectif qui nous paraît plus qu'une évidence, une nécessité. Merci à vous. Merci. Vous représentez aujourd'hui non seulement la commune de Condrieu, mais le conseil départemental du Rhône. Le président vous a délégué, donc vous êtes un des 26 élus. Vous êtes aussi vice-président de Vienne-Condrieu agglomération, dont Serge Rault a parlé un instant, et vous étiez déjà au premier rang en 2021 devant la gare de votre commune, en compagnie à ce moment-là de Renaud Pfeffer, qui était le vice-président premier du département. Alors depuis deux ans, vous n'êtes pas resté les mains dans les poches, on en est le témoin. On a accueilli ensemble le sous-préfet en mairie, on a eu des réunions de travail. Alors détaillez-nous, quelle est votre détermination? Alors, ma détermination, bonjour à toutes et à tous, elle est totalement intacte depuis 15 ans. Ça c'est le premier point.
Tout d'abord, je tenais à remercier l'association Terre Vert pour cette initiative que nous avons mis au point avec plusieurs élus. Ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, on est face à un changement climatique qui nous oblige tous. Donc nous n'avons pas le choix. Je vais aborder trois points d'une manière extrêmement précise. Ouais, je te remercie. Mais tout d'abord, je voudrais comparer la situation en France avec celle en Suisse, en deux mots. Je vois sourire. Voilà, parce que si vous voulez, personnellement, j'ai du mal à comprendre qu'en Suisse, on ait un réseau ferroviaire qui est extrêmement dense, extrêmement important, qu'ils entretiennent, qui est extrêmement efficace, et qu'en France, nous avons laissé dériver d'une manière graduelle et, je dirais, volontaire, face au lobby de la route, le ferroviaire. Et ça, c'est inacceptable. Voilà. Ça, c'est le premier point en préambule. Le deuxième point, c'est que c'est surtout le fait que sur Condrieux, nous avons quand même pas mal de problématiques. Nous avons la problématique d'un certain pont qui nous pose quelques petits soucis et que nous allons devoir reconstruire dans les prochaines années. C'est-à-dire que grosso modo, dans les années 2025-2027, ce pont n'existera plus. Donc même si on a le projet de faire une passerelle en amont pour les modes doux, ce pont pendant 2 ans n'existera plus. Donc, d'où la nécessité de rouvrir la gare à Condrieux à l'horizon 2025-2027. Ça, c'est quand même l'autre point. D'autre part, je voudrais revenir sur un comité de pilotage que nous avons suivi, entre autres avec M. Collas, ici présent, avec Mme la préfète Bussiot, concernant le sud lyonnais, pendant plusieurs mois. Et en date du 4 juillet, en préfecture, donc on a une grosse réunion pour faire le bilan. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a eu un slide à un moment qui a été présenté et sur lequel nous avons l'État qui nous a présenté le nouveau schéma directeur. En deux mots, je pense que j'ai retenu visuellement, c'est que nous avons maintenant enfin le tracé marqué Condrieux, la ligne Condrieux, Givors, Saint-Rambert-d'Albon, qui figure en plus de la rive gauche. Donc on est vraiment sur le pendant de la rive gauche. Pour moi, ce qui est important, c'est que maintenant, il y a quand même une volonté de l'État de prendre en considération notre demande. Personnellement, je pars du principe, et je ne suis pas le seul, parce que Serge Roth, qui a parlé précédemment, l'a dit très bien, c'est qu'en fait, on doit avoir un trafic sur les deux rives. Enfin, les deux rives. Et ce qui est noté au niveau de ce slide, c'est qu'on a vraiment, à terme, une fois que le céphale nord, céphale sud seront faits, donc le fret n'existera plus, et c'est que l'on puisse avoir un trafic voyageur sur la rive gauche et la rive droite. Voilà. C'est tout à fait vital, parce que de toute façon, moi personnellement, j'ai la conviction que dans les prochaines années, on doit avoir des trafics, des mobilités, essentiellement par le train, pour aller à Lyon par exemple, pour aller dans le sud, de telle manière comme en Suisse à diminuer les trafics routiers. Voilà. Merci pour votre attention. Bonne journée.